Chers amis, bonjour, bienvenue au Visio du Vivant, bienvenue à ces rendez-vous de l'agroécologie. Marc-André Sellos, salut. Bonjour. Bonjour, bonjour. On a la chance d'avoir ce soir enfin réunis sur ce même plateau Marc-André Sellos et Hervé Covès. Salut Hervé. Bonsoir. Est-ce que J'ai tu as quelque chose d'important à dire. Ouais, que la vie est belle et que je suis très, très heureux d'être là. T'as dit oui, t'as défloré la conclusion. Oui, mais c'est aussi la conclusion, mais c'est aussi le début. Mais mal. J'espère qu'on ne parlera que de ça. Hein bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Confiné ou pas, on va continuer notre cheminement vers la fertilité. Merci à vous d'être avec nous. Peut-être que quelques personnes nous rejoindront sur la visio Zoom. Vous êtes de grands habitués maintenant avec Vers de Terre qu'on ne présente plus. Hein, ce ver de terre incroyable qui fait son chemin, son cheminement, sa galerie vers la fécondité et la fertilité. Vous êtes avec nous, vous êtes sur YouTube et vous connaissez les règles. Vous n'hésitez pas, vous intervenez, vous êtes dans le chat, vous posez les questions, les interrogations. Nous vous suivons, nous sommes connectés, nous sommes avec vous sur ce chemin, j'insiste lourdement, de la fertilité, y compris en milieu aride, et on a la chance de vous avoir tous les deux. On a plein de beaux projets, de belles perspectives, d'itinéraires à construire, à étayer et à structurer ensemble pour remettre un petit peu de vie et de carbone dans nos sols, la trufficulture au service de l'agriculture. Bienvenue au Club de l'agroécologie. Hervé. Au club de l'agroécologie, mais vous pensez que tu avais commencé par donner la parole à Marc-André, parce que vous voulez, il fallait annoncer aussi les livres de Marc-André, et au travers de ça, vous voulez aussi mettre en avant le fait qu'il va recevoir, hein, Marc-André va recevoir vendredi, hein, le prix littéraire François Sommer pour l'homme et la nature. Hein, c'est Natacha Martin qui avait eu ce prix-là l'an dernier, dans un livre tout à fait remarquable qu'elle avait fait sur les relations entre les ours et les hommes. Et donc, c'est toi qui prends le relais cette année. Je trouve ça vraiment fabuleux. Alors oui, mais je prends le relais pour le prix scientifique, en fait. Ah bah ouais. Je ne suis pas sûr qu'elle n'avait pas eu le prix littéraire. Ah ouais, elle fait un prix littéraire, effectivement, qu'elle a eu. Et alors, je pensais que c'était pour tes talents littéraires que tu avais ce prix, Marc-André. Parce que ces deux livres sont vraiment de grands best-sellers aujourd'hui, hein, de la connaissance que l'on a sur les micro-organismes, tout ce microbiote et ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et même les civilisations, et puis les goûts et les couleurs du monde, hein, donc l'histoire des tanins, de l'écologie à la santé, hein, c'est ce lien très très étroit qui nous réunissent avec ce monde des tanins qui sont les déchets en quelque sorte, hein, des plantes, ou font partie souvent des déchets des plantes. C'est ce qu'on appelle aussi les polyphénols. Et il y en a aussi dans les champignons. Et c'est une partie du goût de la truffe. Donc, entre le fait que la truffe structure des filières de production et aussi des paysages, finalement, aujourd'hui, d'un côté, et donc qu'elle structure finalement des traits civilisationnels, et d'un autre côté, elle contient des tanins, la truffe, elle est à l'intersection des deux livres. Exactement dans le milieu. Ça, c'est beau. Alors, cette truffe, voilà, mais justement, alors ça, tu me donnes le truc pour commencer mon truc, là. Parce que moi, je voulais commencer par, toi, quelque chose qui m'est mal à l'aise, que je vis assez mal dans le monde de la truffe et dans l'agriculture d'une façon générale, parce que tout se ressemble, finalement. Toi, ça, c'est une truffière naturelle. Hein, et donc, on voit qu'il y a certes un grand brûlé, secteur guérien qui pousse, mais entouré de plein de choses autour, plein de végétation. Et quand on regarde de près ce qu'il y a dans ce brûlé, il y a plein de petits animalcules, plein de petites bestioles à l'intérieur. Je crois que j'en ai une autre. Alors là, toi, c'est un lieu que j'aime beaucoup et dans lequel donc, on voit un paysage assez aride, où il n'y a pas grand-chose, mais des paysages que je crois qu'on… Donc, comment on appelle de nouveau ces lieux dans lesquels il y a très peu de nourriture, oligotrophes, hein, où il y a très peu de choses, et dans lesquels se développe une biodiversité tout à fait exceptionnelle, qui est à chaque fois reliée à notamment la diversité des plantes, des orchidées, de tout ce qui peut exister dedans, qui va faire qu'il y a aussi plein de petits insectes particuliers qui y vivent, et qu'on a souvent tendance à vouloir transformer tout ça en ça. Voilà.
en un désert de cailloux. Hein, et là, comme ici, il y a même la broyeuse de pierre qui est passée pour faire des choses comme ça. Alors, je le dis d'autant plus que j'ai fait partie de ces personnes qui ont débuté ma carrière en préconisant ce genre de plantation. Mais ce genre de plantation, c'est quoi? C'est du désert. C'est du désert. C'est quelque chose qui pour moi, que je trouve plus beau aujourd'hui. Autant autrefois, je trouvais que c'était bien, ces grands espaces, très travaillés, très organisés. Mais je n'arrive plus à voir où se trouve la vie là-dedans. Et ça me crée une forme de tension. Et quand on regarde les images précédentes, tu vois, de ces truffières naturelles, de ces brûlées naturelles, mais est-ce qu'on a à apprendre quelque chose de ça pour concevoir le monde de demain? Un monde où justement la relation entre l'homme et la nature serait peut-être un petit peu mieux mise en avant. Voilà, donc c'est mon question, une question qui m'anime vivement en ce moment, parce que j'ai l'impression qu'en créant des déserts comme ça, même si c'est pour faire des truffes, tu vois, qu'en créant des déserts, on passe à côté de quelque chose d'essentiel qui est la vie. Voilà. Et pour illustrer un petit peu ce propos, ce que vous voulez proposer, Marc-André, c'est qu'on puisse faire le point sur différentes façons dont la truffe, toi tu disais que la truffe était à la limite entre les deux livres, mais la truffe, on va voir qu'elle va aussi être à la limite entre des mondes différents. Hein, un monde de la forêt, un monde des lieux ouverts, qu'elle va être en lien, c'est un champignon, ça fait du lien. Et donc, je voulais avoir ta réaction juste sur ce logo. Alors ça, c'est le logo de la... Alors, truffling, je ne sais pas comment on peut le noter, ce n'est pas trufficulteur, c'est les truffeurs, je ne sais pas si le mot existe en français. La société nord-américaine, donc les Américains amateurs de truffes. Et regarde, qu'est-ce qu'ils mettent comme emblème. Alors, ils mettent leur râteau là, qui leur permet d'aller chercher les truffes. Et puis, un de ces animaux, effectivement, qui est, alors je ne sais pas le reconnaître précisément, mais c'est un petit rongeur qui est strictement mycophage. Ça, on n'a pas ça voilà. Chez nous, hein, mais des mammifères qui mangent que des champignons, ça existe. Ça existe ouais. Dans le nord d'Amérique, effectivement. Ça, c'est un petit marsupial. C'est la même famille que les kangourous. Pardon. C'est un marsupial, c'est la même famille que les kangourous. Tu vois, c'est aussi un certain nombre de rongeurs qui font ça, et effectivement, alors tu as son nom à celui-là Alors, non, bon, celui-ci, s'il est sur le dessin, je ne sais pas trop, mais il n'y a pas beaucoup de marsupiaux aux USA, et donc j'avais son nom juste tout à l'heure dans la tête, et puis là, je ne l'ai plus, tu vois, c'est les inconvénients du direct. Voilà. Mais sinon, voilà, j'ai son homologue australien. Son homologue australien qui est également mycophage. Et donc j'ai vu un papier sortir là-dessus, hein, où ce petit marsupial, donc là le potoro, il appelle là-bas, c'est comme un kangourou, mais c'est le potoro, hein, potorus tridactyle, à trois doigts. Et cette petite bestiole, donc un petit marsupial, est aussi mycophage et aussi un des emblèmes de la trufficulture australienne. Tu vois ? Et j'ai trouvé ça troublant que... aux USA, en Australie, les gens prennent comme emblème de la trufficulture un animal qui fait le lien. Alors certes, ils vont connaître des tas de choses, tu disais tout à l'heure, ils vont disséminer les spores, mais je crois qu'au-delà du fait de disséminer les spores, leur simple façon d'exister va favoriser le développement des truffes. Et qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre des animaux dans la façon dont les truffes sont produites. Si un petit potoro est capable de faire pousser des truffes en Australie, et la même chose aux USA, dans des écosystèmes où il n'y a pas que des truffes, quoi, où il n'y a pas que des arbres truffiers, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à apprendre de ça? Ben oui, alors sur la truffe en particulier, oui, mais déjà une petite remarque. De toute façon, les animaux sont toujours dépendants de leur nourriture et nous-mêmes, nous sommes dépendants de tout un tas d'écosystèmes dans lesquels se trouvent tout un tas d'espèces, les lapins, les poissons. La dépendance, elle est inscrite dans le vivant. Et pour le coup, l'homme a tendance aujourd'hui, en étant urbain, à oublier à quel point il est dépendant d'autres espèces. Alors ça, c'est
une considération générale. Effectivement, on peut être dépendant de champignons. C'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup de gros animaux qui sont mycophages stricts, mais on en a beaucoup qui sont mycophages occasionnels. C'est le cas de l'ensemble du gros gibier en forêt, c'est le cas de l'homme. Donc, il y a tout un tas d'organismes qui complètent leur ration alimentaire avec des animaux. Alors, la truffe, elle est au cœur de ça, parce que finalement, la truffe a trouvé un moyen de produire des spores dans des milieux secs et hostiles, où on ne pourrait pas produire des spores de façon aérienne, parce que ça sécherait tout de suite. Elle les maintient dans le sol, où l'humidité est plus constante et plus durable. Ça ne marche pas toujours très bien, d'ailleurs. Les trufficulteurs savent qu'il y a des étés secs, où les truffes en développement, puisqu'elles commencent à se développer en mai-juin, sous forme de tout petits initiums, et puis qu'elles grandissent jusqu'à l'automne, il y a des fois où, en fait, à l'été, ben, elle meurt. Et d'ailleurs, un des plus grands, finalement, apports récents à la trufficulture, c'est l'irrigation estivale. Bon. Mais néanmoins, dans ces écosystèmes extrêmement secs que tu as mentionnés et où on récolte des truffes, eh bien, on se retrouve avec une situation où, en mettant les spores en profondeur, on les protège, finalement, les structures qui les produisent de la dessiccation. Mais le problème, c'est que les spores n'ont plus accès au vent. Et du coup, la dispersion ne peut plus se faire. Et donc, ça ne peut pas évoluer, ça. Je peux partager l'écran ? Oui, alors attends, il faut que j'arrête le mien. Cette stratégie, en fait, qui consiste à faire des spores sous terre, elle a évolué très souvent chez les champignons, dans plein de groupes. Il n'y a pas que la truffe. Enfin, il n'y a pas que le groupe des tubaires qui fait ça. Et donc, si je récupère la main et que je partage l'écran, voilà. Alors, je vais me mettre là. Et je vais partager mon écran en vous montrant ça. Voilà. Ce que je veux vous montrer, c'est cette évolution-là qui s'est produite souvent, où à partir de champignons à lamelles ou à tubes, on a eu des formes qui ne s'ouvrent plus, et puis des fois dans l'évolution, des formes carrément souterraines qui sont apparues. Le fait de ne plus s'ouvrir, ça protège un peu de la dessiccation et de la sécheresse. Le fait d'être enfoui, ça protège totalement. Alors là, c'est l'exemple de l'apparition du genre Rhizopogon à partir d'ancêtres qui sont des formes de bolets, des sunus. Mais ça s'est passé dans le groupe des amanites, ça s'est passé dans le groupe des cortinaires, dans le groupe des russules, ça s'est passé des dizaines de milliers de fois. Et à chaque fois, le problème, c'est qu'il faut absolument attirer les animaux parce que les spores sont protégés, oui, mais du coup, ils n'ont plus accès à la dispersion par le vent. Et d'une façon assez générale, les champignons souterrains, dont les truffes sont un des représentants, une des nombreuses émergences évolutives, ont deux caractéristiques. La première, c'est de sentir. Ça va permettre aux animaux de les localiser. Et la deuxième, c'est de faire ça à un moment où il n'y a pas grand-chose à manger, soit la sécheresse estivale, soit la pause hivernale. Et évidemment, à ce moment-là, les animaux ont tendance à faire feu de tout bois. Quand je dis faire feu de tout bois, c'est que finalement, même si c'est attirant, ce n'est pas très digeste. Parce que vous m'avez bien entendu, l'idée, c'est que les spores sont dispersés. Donc, il faut que les spores ne soient pas digestes. Donc, l'essentiel de la masse de ces champignons étant une boulie de spores, bah, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir grand-chose à digérer, ça ne va pas être d'un grand rendement alimentaire. Et c'est pour ça aussi que ça ne peut se positionner dans l'alimentation qu'en fin de saison, en fin de saison de production végétale. Alors, je vais vous montrer maintenant d'autres champignons qui sont apparus. Alors, je suis désolé, j'utilise directement mon écran, mais je n'ai pas préparé le PowerPoint. Voilà, je vous emmène en Nouvelle-Zélande. Tu nous emmènes en Australie. Allez, j'ai un cran plus loin. Puis alors, là, ça ne va pas nous faire une grosse dépense en carbone. Alors, voilà Galacea scleroderma, un des nombreux champignons. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas trop une truffe parce que ça sort un tout petit peu de terre. Bon, là, elles ont été sorties pour bien montrer la photo, mais regardez celle du fond. Ça, juste, ça flore à la surface de la terre. Oui, comme nos truffes d'été, finalement. Hein. Ah oui, voilà. Et puis, alors, vous voyez que ça a des couleurs bleues, bleu-violette. À votre avis, quels sont les disperseurs de ça ? Ah, des bestioles qui voient le bleu. Quand on a des fruits bleus chez nous. Des choses un petit peu fleurs bleues, non ? Ça n'existe pas, alors, des petits animaux fleurs bleues. Hein. Moi, je serais un bon disperseur de truffes bleues, je crois. Alors, Viburnum timus, pour ceux qui connaissent la région méditerranéenne, ou le lierre pour les autres, c'est des exemples de plantes à fruits bleus et c'est des fruits qui attirent les oiseaux. On est sur des truffoïdes qui sont donc semi-enfouis, bleus ou rouges, et qui étaient dispersés par les moas, ces fameux gros oiseaux qui ont disparu quand l'homme s'est introduit parce qu'il les a bouffés jusqu'au dernier. Ces gros oiseaux incapables de voler qui étaient herbivores, et il semblerait d'ailleurs même qu'il y a certaines de ces truffes qui ressemblaient à des graines qu'ils mangeaient.
Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était dispersé par les mois. Aujourd'hui, ces trucs-là ont du mal à se disperser. Mais autrefois, les mois étaient des gros mangeurs de truffes. Et je vais vous en donner, enfin, de truffes ou de trucs qui ressemblent à des truffes et qui poussent en surface. Et figurez-vous qu'on a retrouvé des crottes de mois où on a pu faire de l'ADN parce que finalement, les mois ont éteint il y a quelques siècles. Et donc, on a tous ces mois éteints là, dont on a retrouvé les crottes plus ou moins, enfin, c'est des fossiles récents, quoi. On a réussi à faire de l'ADN et on trouve dedans, regardez, alors on trouve en vert des tissus végétaux, bon, ben voilà, il y a des restes végétaux. On trouve des nématodes en orange, bon, ben ils avaient des maladies, hein. Ils devaient avoir mal au bide, ils avaient des parasites. Et puis on trouve, regardez, en couleur bleue un peu intense, on trouve des tas de champignons. Alors, il ne faudrait pas en déduire que c'est parce qu'ils mangeaient surtout des champignons, et c'est que ces champignons étaient extrêmement, les spores étaient indigestes, et donc on récupère l'ADN dans les fesses. Hein. Mais comme les œufs de nématodes, d'ailleurs, qui sont excessivement résistants. Hein. Oui, il ne veut pas dire qu'ils mangeaient des nématodes. Hein. Voilà. Il faut nuancer. Si on en trouve beaucoup, c'est juste que ça ne se digère pas. Alors, ça nous remontre le truc, cette idée que dans ces cas-là, les spores ne se digèrent pas et le bénéfice alimentaire n'est pas énorme. Et puis, ça nous montre que voilà, bah, les moas font partie des bestioles qui mangeaient des champignons. Et d'ailleurs, c'est bien ennuyeux pour les champignons qui étaient dispersés par les moas, parce que maintenant, ils ne se dispersent plus. Et toi, il y a même le cacapo, là. Tu sais, c'est ce perroquet terrestre qui lui aussi mangeait de tout ça. Ça, c'est extraordinaire. Alors, oui, il y a encore hein, le cacapo de mémoire. Hein. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Enfin, j'ai vu un perroquet endémique, je crois que c'était un cacapo. Ça dépend des fois, mais des fois, il a abusé de truffes au sens large. Alors, on a donc ces truffes au sens large qui ne sont pas du genre tubère. Et puis, on a le genre tubère qui est constitué uniquement là. Il n'y a pas de représentant aérien. Les plus proches parents aériens, c'est les Helvels, pour ceux qui connaissent. Alors, si je vais un instant sur Internet et que je tape Helvela, vous allez voir. J'ai essayé de faire le malin en cherchant quel était l'animal, mais je n'y suis pas arrivé. Alors, voilà des Helvels. Vous voyez, c'est le plus gros, le groupe parent le plus proche des truffes. On en trouve d'ailleurs de temps en temps dans les truffières. Hein. C'est une espèce de champignon qui ressemble à des moris pas très finis, là. Hein, et qui ont une certaine toxicité, me semble-t-il. Hein. Oui, certaines. Oui. D'autres sont comestibles quand on les a blanchis, quoi, mais ça revient à jeter les toxines dans notre cuisson. Et pour le coup, donc, ces Helvels, là. Que j'aimerais bien moi étudier, j'aimerais bien avoir des belles populations d'Helvels pour étudier leur génétique hein, et la comparer à celle de la truffe. C'est les plus proches parents épigés, comme on dit, de surface du genre tubère qui lui est complètement souterrain. Alors, pour l'été prochain, je pourrais te trouver une parcelle où il y a plein d'Helvels et plein de truffes également. C'est beau les Helvels, hein. Mm-hmm. Bien identifié dans le détail. Voilà. Alors, le genre tubère, pour terminer, bah, c'est l'hémisphère nord. Hein, c'est plus de 80 espèces dans l'hémisphère nord. Et alors, mauvaise nouvelle pour nous, un creuset de diversité asiatique. Bah oui, parce que... Et puis, on va revenir aux interactions, parce que je n'ai pas oublié que toi, tu voulais de la biodiversité. Mais avant, pour juste finir l'introduction des tubères, nous, on a des glaciations qui... nous et les Asiatiques, hein, qui poussent la végétation vers le sud. Chaque fois qu'il y a une glaciation, puis elle remonte. Sauf que chez nous, quand elle descend vers le sud, elle va rencontrer les Alpes, les Pyrénées, la Méditerranée. Ça se passe mal. Les espèces, elles n'arrivent pas toujours à passer en Afrique du Nord, et donc elles disparaissent. Donc, chaque fois qu'il y a une glaciation, ça détruit des espèces qui n'arrivent pas à migrer vers le sud et qui se retrouvent, j'allais dire, noyées dans la Méditerranée virtuellement, parce qu'elles ne peuvent pas descendre plus bas. En Asie, notamment dans le Yunnan, vous avez des grandes continuités de forêts, ce qui fait et sans obstacle est-ouest. Et donc, les espèces, elles montent et elles descendent. Pendant les glaciations, il n'y a pas d'extinction. Pendant ce temps-là, en Europe, chaque fois que ça descend au sud, ça s'éteint. Donc, on a très peu de diversité. On a des espèces qui reviennent d'Asie. Beaucoup de plantes de chez nous et beaucoup de champignons de chez nous sont des rejets occidentaux de groupes beaucoup plus diversifiés en Asie où il y a moins d'extinctions au cours des glaciations et qui viennent repeupler. Et finalement, ce qu'on appelle la truffe de Chine, c'est en fait un grand complexe de multiples espèces, qui, pour le coup, ont donné des rejetons occidentaux comme la truffe du Périgord. Et voilà. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'excessivement frustrant là, que tu nous apprends, Marc-André. Hein, c'est que nos truffes périgourdaines sont peut-être
à l'origine des truffes chinoises. C'est quoi ces chinoiseries? C'est les Chinois qui sont à l'origine de notre produit. Alors, en Afrique, est-ce qu'il y a des truffes en Afrique? Enfin, voire tubers, on a les terres fesses et des choses comme ça, mais est-ce que dans tubers, mélanosporum, tout ça, est-ce qu'on peut avoir des choses un petit peu équivalentes dans... Alors, bah oui, en Afrique du Nord, on a des choses comme des terfésias. Donc les terfésias, c'est un autre groupe qui n'est pas très éloigné évolutivement. La famille des terfésias n'est pas très éloignée de celle de la truffe. Voilà, je vais vous en montrer quelques-unes là. Vous voyez que c'est des truffes assez pâles, qu'on trouve notamment sous les cistacés, mais pas que. Il y en a jusqu'en Arabie. Hein. Et bon, ce n'est pas très goûté, ça se mange. C'est assez productif et ça se mange comme des patates. On a même, dans les grandes interprétations possibles de la manne du désert que le peuple hébreu aurait pu manger donc, lors d'un très long séjour dans le désert, une des interprétations, c'est qu'ils ont trouvé des terres fesses. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je suis désolé. Oui, l'idée me plaît bien, toi. L'idée me plaît bien. Les pauvres paumés dans le désert à ne pouvoir manger que des truffes, tu vois. En attendant d'avoir un pays ruisselant de lait et de miel. Alors, j'ai retrouvé les opossums. Ah oui, bah oui. Ben oui, toi, les petits opossums aux USA qui sont ces petits marsupiaux, le seul marsupial américain, hein, qui est justement le disséminateur de ces truffes. Alors, pour terminer sur l'Afrique, quand on va vers des zones plus humides, ben là, il n'y a pas besoin de cette stratégie. Mais il semblerait qu'il y en ait. Alors, ce n'est pas publié, mais Bardwick, qui est un grand mycologue du muséum et que j'ai l'honneur d'avoir dans mon équipe, hein, des fois, on met un nain à la tête de l'équipe parce que les grands hommes sont occupés ailleurs. Bart est en train de décrire des truffes qui sont plus proches des Laphomycètes et de choses comme ça. Donc, un autre groupe d'Ascomycètes. De forêts tropicales humides, mais c'est quand même assez exceptionnel. Et pour le coup, le groupe des truffes n'est pas présent, même le groupe des helvelles n'est pas présent sous les tropiques, même si on en a trouvé, nous, une séquence un jour dans une forêt de Gilberto Dindron du Gabon. Mais c'est assez exceptionnel. Il aurait peut-être fallu les chercher un peu en altitude dans les grandes montagnes éthiopiennes, tu vois, il y a peut-être plus de chances de pouvoir trouver là-bas. Elles accrochent les nuages, alors elles sont humides. Ah oui, c'est vrai. Là, dans tous les climats qu'il y a là-bas, il y a peut-être aussi un petit bout de climat un peu plus sec. Hein, sait-on jamais. Dans les climats plus secs, même s'il n'y a pas de tubère, il y a des formes souterraines. Absolument. Ouais. Là, on les retrouve là, dès qu'il fait sec. Et une fois de plus, hein, c'est une évolution qui s'est, chez les ascomycètes et les basidiomycètes, donc dans les champignons qu'on connaît classiquement, produit au moins une centaine de fois. C'est incroyable le nombre de fois où on a eu cette évolution que je vous montrais à l'instant. Alors, je partage toujours mon écran, donc j'en profite. Cette évolution qui nous donne successivement, voilà, on va y arriver, qui nous donne successivement des formes qui ne s'ouvrent plus et puis des formes souterraines. Ça, c'est vraiment... Alors, ce qui est marrant, j'ai terminé là-dessus, c'est que ça ne se produit que dans des groupes qui font des mycorhizes sur les arbres. Alors, je vais vous livrer une hypothèse que j'ai faite et que je n'ai pas encore écrite. Pourquoi est-ce que des champignons qui décomposent de la litière n'en feraient pas autant pour faire leur spore? Alors, mon raisonnement est le suivant. Ce n'est pas le tout d'empêcher l'eau de s'évaporer. Il faut avoir accès à de l'eau. Et dans les milieux secs, en fait, si vous êtes un champignon de surface qui mange des feuilles mortes, eh ben, il y a des moments où vous n'avez pas accès à l'eau. Donc, cette histoire de limiter l'évaporation, c'est bon que si quand même il rentre de l'eau. Et les champignons mycorhiziens, ils ont cette caractéristique. C'est qu'ils sont liés à l'arbre. On dit souvent que le champignon mycorhizien, il apporte de l'eau à l'arbre. C'est vrai. Mais l'eau circule selon, en gros, le degré de sécheresse du milieu. Il suffit de mettre un buvard sur ce qui est sec sur une tache d'eau ou de vin sur une table, ça passe dans le buvard. Bon. Alors même que le buvard est au-dessus, donc ça monte dans le buvard. Donc l'eau, elle va vers là où il fait sec. Et si jamais à un moment de la saison, il fait sec en surface, mais assez humide en profondeur, là où sont les racines de l'arbre, eh bien, il se produit ce qu'on appelle l'ascenseur hydrique. C'est-à-dire que l'eau remonte par les racines, et si à un moment, il y a un champignon qui est au contact de cette racine, bah, lui, il peut en aspirer l'eau. Et donc, ce que je pense, c'est que la stratégie de truffe au sens large n'est jouable que pour des champignons associés à des arbres, parce que dans ces cas-là, on a accès à l'eau profonde. Et là, tu vois, ça va déjà dans ton sens, on voit déjà le cortège d'interaction de la truffe, où il y a l'arbre, et puis
les animaux, mais enfin, donc, l'arbre qui hydrate. J'avais aussi une autre observation. À l'époque, on avait un peu travaillé ça avec Franck Richard. Sur les endroits où les sangliers passent, ça fait des mottes. Et sur ces mottes, elles deviennent beaucoup plus sèches dans les zones un petit peu forestières. Hein, donc et en fait, qu'à l'intérieur de ces mottes, il y aurait peut-être un milieu plus favorable dans les périodes un petit peu trop humides, quoi, plus favorable au développement de mycélium sec que partout ailleurs. Et que ça pourrait peut-être permettre le maintien de petits biotopes très propices, enfin, dans lesquels le mycélium de truffe est très concurrentiel. Parce que finalement, cette truffe, elle a quand même un coût important pour l'arbre. Oui, ben, de toute façon, les champignons mycorhiziens, l'ensemble de tous les champignons mycorhiziens d'un arbre absorbe dans un type de mycorhize comme celui du chêne vert ou du noisetier, donc des arbres truffiers, 20 à 40% de la photosynthèse. C'est pas rien. Ouais. D'ailleurs, quand on fait un cercle, tu vois, quand on retire le cambium des arbres expérimentalement en forêt pour empêcher le flux de sève de descendre, on s'aperçoit que très rapidement, la respiration du sol chute de 30 à 50%. Ouais. Et c'est à une vitesse telle que ce n'est pas juste le fait qu'il n'arrive plus de racines mortes et de feuilles mortes, non. Parce qu'évidemment, les arbres meurent quand on fait ça. Non, c'est une quantification de l'interruption du transfert au champignon mycorhizien. Ouais. Il n'y a plus du tout de sève qui arrive et donc… Un champignon. Ouais. Alors, avec cette idée, alors, je ne sais pas si elle est complètement fondée, que plus c'est sec, plus le champignon a besoin d'énergie, a besoin d'eau et donc pompe dans les réserves de l'arbre. Hein, ce qui expliquerait notamment que quelquefois on a de très très bons producteurs qui sont de très piètres arbres, de tout petits arbres, quoi, qui poussent beaucoup plus lentement que ceux qui sont quelquefois avec d'autres types de champignons. Mais je te fais une remarque, c'est tout à fait exact ce que tu dis, même s'il n'y a pas beaucoup de travaux qui le montrent, moi je suis convaincu de cette conclusion. Il y a juste un truc, Hervé, qui est assez. Qu'il faudrait regarder plus pro. Parce que la croissance, on est pour quelqu'un qui fait de l'évolution, on s'en fout. C'est-à-dire la croissance d'un bœuf ou d'un chapon, elle est supérieure à celle d'un animal qu'on n'a pas castré. Mais en termes de nombre de descendants, c'est quand même raté pour le chapon et pour le bœuf. Ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est le nombre de glands. Et moi, j'aimerais voir, sur ce paramètre-là, si vraiment la quantité de glands est affectée par la présence de la truffe ou pas. Ça, ce serait intéressant à regarder. Hein. Ouais, en comparant simplement des arbres truffiers et non truffiers. Tu vois, ouais. Des arbres avec et sans brûler. Ouais, c'est ces histoires de fécondité, en fait, que quand tout est relié, la nature devient plus féconde. Ça résonne bien avec ma façon de penser. Voilà. Et donc, j'avais mis aussi cette petite photo là, on était dans nos petits rongeurs là, de Microtus arvalus. Hein, donc, alors, c'est le campagnol terrestre, c'est le ratopier, l'abominable ratopier, tu vois. Et je me rappelle des. Comment il s'appelait en Autriche, qui nous avait fait cette merveilleuse communication sur tous les petits. Alexander, voilà. Un excellent, voilà, oui, Alexander Urban, un mycologue très doué qui s'occupe justement beaucoup de microphagie, oui, de mycophagie. Ouais. De mycophagie, et qui nous avait montré qu'en fait, il y avait plein de petits rongeurs qui étaient très fortement impliqués dans la dissémination des truffes. Et au-delà de la dissémination des truffes, donc il avait aussi émis cette hypothèse que dans les endroits où il fait des galeries, bah, la partie superficielle de la galerie, la terre qui est au-dessus de la galerie va être très asséchée et donc va aussi constituer des petits réservoirs de mycélium dans lesquels les champignons qui aiment plus la matière organique ou qui décomposent le bois ou des choses comme ça, comme c'est plus sec, ne vont pas se développer dedans. Alors que la truffe, elle a cette capacité-là. Et nos producteurs aussi, d'assez souvent, ont remarqué que dans les galeries, au fond des galeries des petits rongeurs, on trouve aussi des truffes. Alors, ça, c'est un truc important aussi, c'est que ça peut renvoyer aussi à la circulation de l'eau dans le sol. L'eau circule bien par capillarité, mais quand il y a une perturbation, elle ne circule pas au-delà. Et moi, je pense que la truffe, elle aime bien ces endroits-là, parce que d'un côté, il y a la zone où la terre est encore serrée, ou qui est imbibée d'eau par capillarité,
et là où il y a du mycélium. Et puis, il y a la zone plus aérée par la perturbation, qui est une zone où les fructifications peuvent bien pousser, parce que justement, il y a de la place. Ce n'est pas compacté. Et je pense que ces interfaces entre les zones compactées et décompactées, elles sont vraiment importantes. Moi, je pense que c'est un des facteurs, par exemple, qui explique la production de ce qu'on appelle les pièges à truffes, où on a pris du sol et puis on l'a replacé. Donc, il y a du sol encore compacté sur les côtés et du sol perturbé au milieu. Je pense que ça explique les pièges à truffes et ça explique l'intérêt d'un certain nombre de techniques de travail du sol qui vont créer justement une zone aérée et puis une zone plus compacte en dessous. Mais le problème du travail du sol, c'est qu'il aboutit à ce que tu dis, un vrai désert. Voilà. Alors, j'ai un petit problème, je n'arrive plus à repartager mon écran et sur normalement c'était sur lui, mais quand je passe dessus, je n'arrive plus à passer aux diapos suivantes. Je suis en train de partager l'écran. Bon, alors, il faut peut-être que j'aille fermer les trucs et que je les rouvre. Je ne peux pas réduire mon zoom. Alors, Tu parles des plantes compagnes pendant ce temps-là pendant que Tout à fait. Et moi, j'essaie de régler mon truc. Et si tu partages l'écran, je pense que je vais pouvoir arriver, moi, à redescendre. Attends, je vais essayer de montrer quelques images de ça. Alors, ces derniers temps, donc, autour de deux thèses qui ont eu lieu quand j'étais encore à Montpellier, c'est la thèse d'Elisa Tachen, et puis celle ensuite de Laure Schneider-Monoury, on a essayé de se demander, on était interloqué par le brûlé. Bon, le brûlé, je pense que c'est clair pour tout le monde, hein. C'est cette zone, je vais donc faire un partage d'écran et vous remontrer ça, mais tu en as montré un très beau tout à l'heure. On va voir si quand je reprends la main comme ça, tu peux la reprendre après. Voilà, j'ai un très beau brûlé, vous voyez, alors dans une truffière sauvage, hein, où il y a plein de choses. Puis là, c'est chez Michel Tourner, qui est l'actuel président de la Fédération française des trufficulteurs. Vous avez une vue d'avion, c'est magnifique ça. Hein. On voit très bien les canopées des arbres, et puis on voit que les brûlés sont un peu plus grands, et ils nous donnent l'empattement du système racinaire colonisé par des truffes. Alors le brûlé, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup d'herbe, et cette zone où il n'y a pas beaucoup d'herbe, on a essayé de regarder, est-ce que sur les racines de cette herbe, alors, disons-le, ce sont des plantes, là, c'est le tout venant, et c'est des plantes qui ne forment pas de mycorhize avec la truffe. On a essayé de regarder s'il y avait de la truffe sur les racines. Et ce qu'on a trouvé, c'est, un, en termes d'ADN, on trouve de l'ADN sur les racines de ces plantes-là, alors que si on va juste à côté, là où ce n'est pas brûlé, on ne trouve pas d'ADN sur les racines. Cela dit, les collègues nous ont dit, les scientifiques qui ont vu ça, ils ont dit, ouais, mais c'est quand même facile de se contaminer, surtout dans un laboratoire où on fait de la truffe de partout. Bon, d'accord, donc on avait de l'ADN. Après, ce qu'on a essayé de faire, eh bien, c'est de regarder si on arrivait à détecter les filaments par des méthodes d'hybridation in situ, qui consistent à utiliser l'ADN de la truffe pour reconnaître la truffe. Alors, voilà, là, on est dans des tissus de racines, c'est une racine de luzerne. Vous avez les grandes cellules racinaires qui sont en gris, là, et puis vous avez plein de filaments qui ont été colorés, vous voyez, en vert plus jaune, enfin, en vert plus rouge. C'est les deux colorants qu'on utilise, c'est des filaments de truffe dans une racine de luzerne. Ça, c'est un joli filament dans une racine de géranium. Toujours, on voit les cellules en gris, là, et on a cette belle coloration là, de filaments de truffe dans la racine intacte. Et puis, il y a une dernière, hein, parce que tout ça, c'est des mois de travail. Voilà, des filaments là, dans une racine de brome. Bon. Et on a été plus loin, c'est-à-dire qu'on s'est interrogé, on a fait des espèces de cultures pour voir un petit peu ce qui se passait quand on... Alors voilà, c'est les pots qu'on a utilisés. Vous voyez, on a utilisé des petits pots où on a un chêne vert mycorhizé par la truffe ou pas. Et puis autour, on met ou pas, on a toutes les configurations, des plantes compagnes comme Rosa canina, du thym ou des plantes qu'on peut trouver sur le brûlé. Alors vous voyez, on a toujours du chêne vert. Mais des fois, on a de la truffe, des fois, on n'en a pas. Des fois, on a des plantes compagnes et des fois, on n'en a pas. Et on regarde ce que fait la présence des plantes compagnes sur la truffe, la présence des truffes sur la plante compagne et la présence des plantes compagnes et de la truffe sur... Je résume l'histoire très simplement. Je vais arrêter le partage d'écran. Tu vas pouvoir refaire des essais si tu veux. Voilà. En fait, ce qu'on trouve, c'est que la truffe pousse deux fois mieux. Il y a deux fois plus de mycélium de truffe quand il y a des plantes compagnes que quand il n'y en a pas. Quand il y a du mycélium de truffe,
Eh ben, les plants de campagne poussent entre 40, entre 20 et 40 % moins. Donc, effectivement, leur croissance est impactée. D'ailleurs, les germinations, il y a une fois et demie moins de germination qui se développe dans les pots, et tout ce qui est mauvaise herbe. Donc, il y a clairement un effet inhibiteur sur les plants de campagne. Et en gros, ces plants de campagne contiennent beaucoup moins d'azote et de phosphore, tandis que l'arbre, lui, s'il y a des plants de campagne et la truffe, mais pas s'il n'y a que l'un des deux, ou pas s'il n'y a rien, eh bien, il contient plus d'azote. Donc, ça veut dire qu'il y a une interaction qui n'est pas très favorable. Soit la truffe va boulotter des trucs dans la plante campagne, soit elle les prend dans le sol et la plante campagne ne peut pas les prendre, et tout ça, c'est au profit de l'arbre. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la truffe peut pénétrer jusqu'à l'intérieur des racines. Et dans d'autres analyses qu'on a pu faire, notamment sur la vigne, on s'est aussi rendu compte que dans les vignes, finalement, on va retrouver beaucoup des champignons qui sont à l'extérieur, à l'intérieur de la racine. Et ça, c'est quelque chose de vraiment surprenant, je trouve, de se rendre compte que finalement, nos racines sont comme des hubs informatiques dans lesquels il y a plein de réseaux qui se connectent dedans et que finalement, on ne sait pas trop ce que les champignons apportent. Donc, dans le cas précis des travaux d'Elisa Taschen et puis de Laure, on a pu démontrer un certain nombre de choses, mais dans le cas spécifique de la truffe, mais dans beaucoup d'autres cas, on n'est pas tout le temps très, très sûr du fait que des choses circulent et comment ça circule. Mais par contre, le fait que tous les champignons arrivent à se regrouper dans la racine, ça, c'est quelque chose qui doit favoriser les relationnels, les interactions entre les champignons et arriver à faire émerger probablement toutes sortes d'interactions trophiques, hydriques. On voit aussi tout ce qui circule dans les champignons, toutes les informations qui peuvent circuler également. Et que finalement, c'est l'arbre qui va permettre, ou la plante du moins, qui va permettre ça, ce rapprochement entre tout ce qui se passe dans un écosystème. La racine comme étant le lieu d'expression du terroir. Et alors, pour ce qui est de la trufficulture, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se demander si on n'a pas besoin de retrouver le couvert dont tu déplorais qu'il ait disparu dans beaucoup de pratiques de trufficulture. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de tester avec Laurent Ginola de la station biologique de la station trophicole du Monta. On fait des herbages sur des demi-brûlés et puis on regarde d'une part l'abondance de mycélium et d'autre part la production. Alors on n'a pas eu des belles années de production, donc on ne va pas parler de production, mais on voit déjà qu'effectivement il y a une tendance quand on désherbe, toutes choses étant égales par ailleurs, le traitement du sol en début de saison notamment, quand on désherbe, on a moins de mycélium. Là c'est clair déjà de ce point de vue-là. Alors, ce n'est pas parce qu'on a moins de mycélium qu'on a moins de truffes. Et donc, il y a toujours deux choses quand on parle de trufficulture qui d'ailleurs induisent beaucoup de confusion. C'est la quantité de mycélium et la quantité de truffes. Une fois de plus, je disais tout à l'heure que la croissance n'a rien à voir avec le taux de reproduction. Bah, la quantité de truffes comestibles, la quantité d'ascocarpe, comme on dit techniquement, c'est la reproduction. La quantité de mycélium, c'est la croissance. Et l'un n'explique pas l'autre. Enfin, les corrélations sont parfois complexes. Mais enfin, déjà, on voit très bien pour ce qui est de la croissance, la truffe, elle bénéficie de la présence de ces herbes. Alors souvent, les gens disent « Ah oui, mais il y a des vieux papiers qui disent quand on glyphosate tout, il y a plus de truffes. » Déjà, c'est sur la quantité d'ascocarpe, donc ce n'est pas forcément comparable, mais surtout, le glyphosate, c'est un truc qui va tous azimuts. Ça pète la gueule des vers de terre, ça pète la gueule de certains champignons. Donc, vous avez le mélange d'effets où vous relâchez la compétition d'un certain nombre d'organismes du sol, plus vous supprimez les plantes. Et donc, vous avez un effet extrêmement composite. Et sur l'effet du glyphosate, il ne faut absolument pas conclure. C'est beaucoup trop complexe. Vous lâchez un éléphant dans cette pièce, d'accord, et je vais retrouver la pièce de 100 sous que m'avait léguée mon arrière-grand-mère. Génial, un éléphant, non? Parce qu'elle aura tout cassé. Et je vais la retrouver, effectivement, elle doit caler le meuble qui est là. Bon, ça n'a pas de sens. Donc, il faut se méfier. Hein. Pour l'instant, on est vraiment en exploration. Et ce que nous a dit le glyphosate sur la trufficulture, j'aime pas beaucoup le glyphosate, on l'aura compris, c'est à revisiter plus finement sur les différents compartiments du sol et les différentes choses qui l'impactent. Ouais. Comme probablement aussi dans d'autres secteurs de l'agriculture. Je voulais mettre aussi, ça me fait m'évoquer ce que tu disais, là, le fait que la production de truffes en France...
a décru de façon dramatique entre le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle, alors que les moyens consacrés au développement de la filière ont augmenté pendant la même période. Il y a une espèce de ciseau négatif qui fait que, comme si on devait mettre en relation, faire une corrélation entre l'argent investi dans le développement, que ce soit l'argent public ou l'argent des particuliers, et l'argent et la production, comme si ça toi, il y a comme si on, finalement, les modes de culture qu'on utilise dans l'agriculture conventionnelle me donnent l'impression de passer à côté de quelque chose d'essentiel et d'important sur la truffe. Alors, c'est vrai que quelquefois, on a des résultats tout à fait étonnants et remarquables, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ah ben là, voilà, drama, le drame français. Hein. Alors, ce que dit ce diagramme, c'est que ni les scientifiques, ni les trufficulteurs n'ont trouvé la solution. Parce que souvent, les trufficulteurs disent, oui, oh, les travaux des scientifiques, on s'en fout un peu, nous, on sait faire. Ben, regardez. Souvent, les scientifiques disent, ah, ben, si les trufficulteurs nous écoutaient un peu plus, et oh, ils écoutent, hein, ben, regardez le résultat. Donc, si vous voulez, je pense que c'est l'histoire d'un naufrage collectif dans la compréhension de la logique de la truffe. Et c'est pour ça que tout ce qu'on dit là, qui a l'air depuis tout à l'heure d'être de la biologie, de la truffe, mais ben, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il faut qu'au-delà des idées reçues, on pense que c'est associé aux arbres. Ah oui, mais manque de chance, c'est aussi associé aux racines des plantes compagnes qui traînent autour. Il faut qu'on retrouve la logique de la truffe indépendamment de ce qu'on a supposé, parce que largement on a supposé que c'était lié à l'arbre et puis point, et qu'on aille plus loin. Ah, qu'est-ce que j'aime t'entendre dire des choses comme ça, Marc-André. Et plus loin. C'est vrai, notre petit modèle arbre mycélium, facilement reproductible, s'avère. Je me suis occupé pendant 20 ans de la station d'expérimentation de Chartrier-Ferrières. Et pendant 20 ans, je dois quand même dire que je n'ai eu aucun essai réellement significatif. C'était tout le temps tiré par les cheveux. Hein. Peu de robustesse statistique dans tous les essais qui ont été faits. Donc, pendant les 20 ans où j'y étais, et puis les 40 ans qu'il y avait avant aussi, quoi, hein, quand on a fait des méta-analyses sur tout ce qu'on avait. Comme quoi, il y a quand même quelque chose qui nous échappe, et l'impression que souvent, on a fait dans la truffe un petit peu de pilotage à vue, hein, sans prendre en compte toute la complexité de ces écosystèmes. Alors, Alors, il dans y a une nos. autre chose par parenthèse où on a quand même, bon, ça a marché, c'est l'irrigation et l'inoculation contrôlée. Ouais, Ça a mais été des leviers, mais ça suffit pas. l'irrigation, très maîtrisée, hein, parce qu'on a aussi des effets contraires, des essais qui ont été faits dans les années 83 jusqu'à 97 à la station expérimentale de Chartrier, qui ont montré en fait que de trop arroser les sols, ça a bouleversé. Les arbres s'y souffrent pas. En fait, on a un peu le sentiment qu'ils vont utiliser des champignons bien moins onéreux pour eux que tubère mélanosporum et commence à partir dans la brumale et commence à partir dans d'autres types de champignons. Et finalement, le très complexe équilibre de la mélano, on l'a souvent vu se perdre à la suite d'une irrigation mal gérée. Ça, c'est clair. Voilà. Et donc, puis après, me semble-t-il, certes, toi, on peut arroser, mais il y a des gens qui font des truffes du sud de l'Espagne jusque chez nous et des truffes qui ne sont pas arrosées. Il y a des gens qui font des truffes non arrosées en Italie, dans les Pouilles, dans des régions autrement plus secs que chez nous, et ils y arrivent. Toi. Donc, C'est un levier dans certaines ça peut conditions, mais être un pas dans. levier, effectivement, mais j'ai aussi un peu cette idée que l'eau devient un bien tellement précieux que ça me paraît un peu compliqué de presque la gaspiller, quoi, finalement, Surtout pour dans les produire régions quelques arides. truffes. Hein. Alors qu'elle commence à manquer de façon dramatique dans plein de lieux. Alors pour revenir un peu sur nos histoires de relations, j'ai mis cette ancienne gravure de chasse aux truffes, comme ça se disait au XVIIIe siècle, hein, la chasse aux truffes, hein, de partir à la chasse aux truffes avec des cochons. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Des relations, interrelations avec entre le cochon et le sanglier. Je rappelle, hein, à l'époque de la grande époque de la truffe, de Sylvain Foirat et tout ça, on disait que la truffe émettait des phéromones qui évoquaient la testostérone du sanglier. Tu vois?
Et que c'était pour ça que ça attirait les cochons, hein. Et surtout les jeunes coches, et on disait que la truffe, je cite Sylvain Faure, que la truffe attire les cochonnes, hein. Voilà. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on a un petit peu avancé sur ce sujet-là? Alors, je vous propose une petite fenêtre partagée. Je peux partager là? Alors, pourquoi je ne peux pas partager? Attends, j'arrête, il faut que je me coupe. Voilà. Ah ouais. Voilà. C'est un article qui nous renvoie à une équipe qui avait beaucoup travaillé sur la truffe, qui avait fait des très beaux travaux. Les laboratoires donc de l'Université Paul Sabatier, avec notamment Culiphage. Je ne sais pas si vous avez connu Oui. Culiphage. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. C'est publié dans les années 90. Et donc, ils testent, hein, ils mettent sous terre du diméthyl sulfide, le fameux, l'un des composés majeurs de l'arôme de truffe artificielle, hein, qui sent la truffe, mais quand même un peu violent, quoi, hein, mais enfin, qui est présent, c'est un composé soufré qui est présent dans l'arôme de truffe de Bourgogne, comme de truffe du Périgord. Et puis ils mettent de la testostérone aussi, et donc ils regardent qu'est-ce que les animaux trouvent. Bon, ben, both trained truffle dogs and pigs detected exclusively the flavoring sample. Et pas la Donc, testostérone. ils ne détectent pas la testostérone. Le fameux 5-alpha-androsténol, qui effectivement est présent dans la truffe, il ne détecte pas ça, il détecte l'odeur. Donc, ça, cette histoire-là, elle persiste beaucoup et elle nous illustre en fait fortement la résistance à la diffusion. Alors, d'abord, comme toujours, quand il y a des rumeurs, des contre-rumeurs, bien sûr, mais surtout la résistance On à la connaît diffusion. ça en ce moment. Oui, j'en parlais avec un ami à moi, Didier de Marseille, qui s'est spécialisé dans la chose. Et Didier R de Marseille. Et non, mais plus sérieusement, donc le truc, pour être sérieux un instant, c'est que bah, du coup, il y a toujours cette histoire qui court. Et non, en fait, les cochons, ils la localisent pour la bouffer sur la base du diméthyl sulfide. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on préfère maintenant la chasse. Bon. Outre le volume de la bestiole, la chasse aux chiens, c'est que les chiens, on peut les éduquer à trouver la truffe, ils ne la cherchent pas pour la manger. Alors que le cochon, faut lui mettre, vous savez, on lui met souvent une espèce de crochet à l'intérieur de la bouche pour pas qu'il bouffe la truffe. Eh Lui, il la cherche pour la manger. oui, tout à fait. Donc l'excitation sexuelle n'est pas prouvée. Et ouais. Alors, voilà. Et donc, pourtant, ce papier, tu vois, il est de 1994, hein, donc c'est pas quelque chose de neuf, hein. Et pourtant, les mythes, hein, c'est bien ça, 94, et pourtant, donc, les idées restent, les résistances sont toujours immensément grande. Quelque chose à méditer Voilà. là-dessus, parce que ça renvoie aussi au mauvais travail de vulgarisation que font les scientifiques. Hein. Pas capables de raconter leur vie correctement. Eh oui. Ah, c'est beau, ça, c'est une truffe. Eh ben oui, c'est une truffe de toutou, hein? Alors, pareil, la truffe du chien, de la même façon. Pourtant, il y avait un bouquin de James Treppy, l'Américain, hein, sur les truffes et les animaux, hein, et qui avait tendance à mettre en corrélation justement la présence de certains animaux et reliée à la truffe. Hein, c'est l'emblème américain de cette petite opossum. Hein, et donc, lui disait qu'en fait, quasiment toutes les truffes ont des liens particuliers avec un animal. Et donc, si je mettais la truffe du chien, c'est que quand on cave, quand on récolte les truffes, alors certes, le chien, on le dresse pour qu'il trouve les truffes, mais souvent, ils sont particulièrement excités lorsqu'on les met en face ou qu'ils vont trouver une petite tubérufome. Tubérufome, c'est une truffe qui est grosse comme un petit pois, hein, et quelquefois, il va d'abord trouver la rufome, alors que juste sur l'arbre à côté, il y a une grosse mélano, mais ils ont comme une espèce d'attirance, hein, Alors ça, pour ces tu sais rufomes, souvent. l'expliquer, toi? Alors moi, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, hein, mais voilà, dans le bouquin de Trappi, on voit aussi ça, qu'il y a quelque chose entre rufum et chien, une corrélation qui n'est pas une explication. Et ces corrélations, on les trouve quand même pour de nombreux animaux. Tu vois, le petit Alors ce que je opossum. disais, ouais, cette corrélation, si tu veux, on la voit bien aux États-Unis, on la voit moins chez nous.
Parce que tu vois, les mangeurs de truffes, chez nous, bon, c'est souvent des généralistes quand même. Mais oui. Alors, aux États-Unis, quand il y a des glaciations, bah, c'est pareil. Les espèces, elles montent et elles descendent. Les barrières sont nord-sud, elles ne sont jamais est-ouest, les rocheuses, par exemple. Du coup, il y a aussi une biodiversité qui a été moins détruite par les glaciations. Et quand on va aux États-Unis, je ne connais pas bien le cas de ce point de vue-là de la Chine, je ne sais pas si elle a été étudiée, mais on a des coexistences truffes-animaux beaucoup plus anciennes. Ouais. Alors que nous, on est sur des reconquêtes récentes par des truffes asiatiques. Et du coup, il y a une coévolution qui s'est faite avec les animaux aux États-Unis qui a été préservée lors des glaciations et qui, chez nous, éventuellement, a été détruite. Donc, je pense que notre scénario, c'est un scénario de biodiversité jeune. Alors, quand je dis jeune, c'est quelques millions d'années, hein. D'accord ? Oui, quelques millions. Et dans ce qui est mis en place depuis la dernière glaciation, depuis la fin du Vurme, donc on n'a que 12 000 ans, finalement, de diversité dans les secteurs qui étaient encore recouverts par la glace il y a 12 000 ans en Europe. Hein. Exactement. Et sans possibilité de faire remonter la biodiversité du Sud, puisqu'au Sud, il n'y a rien. Ou peu. Hein. Voilà. La preuve, c'est pas rien. La mouche, pareil. Alors là, c'est Suida tiberivora. Alors, elle a plein de noms, en fait. Hein. Chacun l'appelle un petit peu. Enfin, je sais pas exactement quel est son vrai nom. Hein. Dans les différentes publications, quelquefois des noms un peu compliqués. Et on a souvent l'impression qu'il y a deux types de mouches qui sont décrites. Hein, dans deux types de mouches. Mais alors pareil, cette mouche, donc, on a aussi pu montrer que dans son appareil digestif, elle véhicule, alors son appareil digestif hérité de ces stades larvaires, elle continue de véhiculer quelques spores. Hein. Donc elle peut aussi contribuer de cette façon-là à la dissémination. Tu sais ce qu'elle mange à l'âge adulte ? Et je ne sais pas, on la voit souvent sur les excréments. Oui, parce que tu as raison, à l'état larvaire, elle ne mange que de la... Et d'ailleurs, c'est le problème, hein, ça fait des dégâts parce que ça c'est pas très bon pour les truffes. Elle ne mange que de la truffe. À l'âge adulte, en revanche, oui. Il y a que la vidange du tube digestif après la mue imaginale. Voilà. Et toi, Suida, Suidé, hein, c'est les cochons. Hein, donc, peut-être aussi dans le cortège des excréments de sangliers de cochons. Voilà. Mais après, elles peuvent persister hein, pendant une grande partie de l'année. Hein, on arrive à en trouver assez. Pas en plein été, c'est très rare. Hein, quoique quelques années, on peut en trouver, en voir quand même quelques-unes. Mais on en voit qui persistent de l'hiver jusque tard au printemps. Et certaines années, dès le mois de septembre, on commence à les revoir voler. Je regarde si je trouve sur Internet, puisque hein, quand on ne sait pas aujourd'hui. Si cette mouche de la famille des Zéléomysidae, je suis en train de dire Wikipédia, qu'est-ce qu'elle mange à l'âge adulte ? Alors, on nous dit qu'elle permet de localiser les truffes. Bon, bah oui, ça. Le problème, c'est que c'est des truffes qui peuvent être véreuses déjà, donc ce n'est pas idéal. Mais véreuses par elles-mêmes. Alors, ah ben, en anglais, ils nous disent même plus que voilà. Oh, ben, c'est un peu tristoun, hein. Oui, et ça, tu vois, ce petit tristoun que tu dis là, c'est quelque chose qu'on remarque très souvent. J'ai essayé de faire beaucoup de bibliographies sur tous les animaux qui vivent là-dedans, mais en fait, très peu de gens s'intéressent à ce sujet, alors qu'il semble être omniprésent. Et que dans les interactions des animaux avec nos champignons, il se passe des choses tout à fait fabuleuses. Tu vois, et en fait, voilà, j'ai mis cette photo là parce que elle parle de quelqu'un d'autre hein, et de la limace. Et on voit comme les limaces peuvent être friandes de truffes. Tu vois. Et on avait fait une manip là il y a quelque temps où on avait analysé le contenu stomacal de limaces bien sûr prélevées dans des brûlés et de limaces qui n'étaient pas dans des brûlés. Et dans les deux cas, on trouvait de l'ADN de truffes dans leur contenu digestif. Hein, donc, d'ailleurs, Hervé, il faut que tu me retrouves les étiquettes. Ah oui, les étiquettes. De cette analyse. Mm. Mais effectivement, elle était. Moi, très franchement, quand tu nous as amené tes tubes digestifs, là, enfin, quand on est venu les chercher à la station, moi, j'avais des gros doutes. Mm. Mais bon, comme j'avoue que je suis quelqu'un d'ouvert aux doutes, enfin, que le doute n'empêche pas d'explorer, donc j'étais très content de faire cette analyse. Et puis, on en a trouvé plein. Est-ce que tu veux que je montre les images, là ?
Ah oui, tout à fait, tout à fait, Ah, tout il à faut que fait. je les retrouve. Regardez ça. Effectivement, donc quand on est hors du brûlé, il n'y a rien. Et quand on est dans le brûlé, c'est assez impressionnant. Je suis en train de chercher donc ça. Et il y a récemment un travail. Je parle un peu de ce travail non publié là qu'on a vu passer. Ah ben, si tu veux, si tu penses que c'est possible, hein, parce que. Bon, c'est un travail qui va sans doute être accepté, quoi. C'est des Ouais. Italiens qui ont travaillé un petit peu là-dessus, quoi. Alors, quand on a découvert qu'ils travaillaient là-dessus, on a été. Alors. De trouver, voilà. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des Italiens qui travaillent sur les limaces. C'est chouette. Hein. Et on travaillait différemment, parce que souvent, quand on parle de la limace, on parle sur les façons de les assassiner, alors que on se rend compte quelquefois qu'elles peuvent avoir des rôles, des interactions et une importance biologique et écologique tout à fait considérables. Absolument. Alors, je suis en train de vous préparer le document là. Vous allez voir, c'est assez intéressant, effectivement. Alors, hop, 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 hop. Faut juste que je le prépare parce que, bah, comme c'est des trucs qu'on n'a pas encore publiés, les images sont pas très belles, hein. Voilà. Alors, je vous montre ça. Je prends la main là. Oui, tu peux la prendre. Donc là, vous êtes sur du pas publié, hein. Et puis après, je vous raconterai ce qu'ont trouvé les Italiens. Mais eux, ils l'ont trouvé sur la truffe de Bourgogne. Là, nous, c'est de la truffe du Périgord, hein. Alors, donc, je suis en train de prendre la main. Voilà. Alors, vous avez ici, en ligne, d'accord, vous voyez, différents individus. Et vous avez de 0 à 100% ce qu'on trouve dedans. L'individu Y2 et les individus Y10 et Y12 sont hors truffière. On trouve différents champignons dans leur tube digestif, c'est étudié par l'ADN. Mais alors, il y en a un tout petit peu de truffe là. Enfin, vraiment rien, d'accord? Les individus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ils sortent de ta truffière. Et eux, regardez en jaune clair la quantité de truffe qu'ils ont dans le tube digestif. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils mangent le plus. Rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les spores sont peu digestes, donc elles vont être surreprésentées dans les fesses. Mais ça veut dire qu'il y en a dans les fesses. Et donc, ça veut dire que c'est des disperseurs aussi, à petite distance. Et c'est là qu'intervient les travaux, pardon, remarquables de ces Italiens sur la truffe de Bourgogne. Il la donne à manger, il récolte des spores, il les donne à manger à des limaces, à des souris, ou il les garde sans les donner à manger. Et puis ils les observent au microscope à force atomique. Ils s'aperçoivent que la paroi a été fragilisée. Quand c'est passé dans Dans les limaces. la limace, le nom m'échappe, et pas beaucoup moins dans les souris, et bien sûr pas quand ça n'a pas été digéré. Bon, alors ça c'est la première chose. On comprend que les enzymes des limaces arrivent à mieux attaquer la paroi, même si elles ne la détruisent pas, parce que quand une limace mange, elle gratte avec une espèce de langue râpeuse et elle détruit tout en petits morceaux. Donc, les enzymes du tube digestif ont accès à toutes les spores, alors que quand ça passe dans une souris, les morceaux sont plus ou moins mâchés, mais il y a des spores qui sont encore pris dans des morceaux et qui vont être protégés des enzymes. Et encore coincé dans l'asque, en fait. Oui. Coincés dans l'asque, coincés dans de la chair, exactement. Ensuite, ils prennent ces spores, ils essaient de mycorhiser des arbres. Ils aperçoivent qu'ils mycorhisent très mal avec des spores spontanées, ça on le sait, on a beaucoup de mal à mycorhiser. Ils ne mycorhisent pas très bien non plus, c'est la même chose avec les spores passés dans le tube digestif des souris. Et ils mycorhisent, alors je ne sais plus, c'est deux ou trois fois plus avec ce qui est passé dans le tube digestif. Et alors, du coup, ça veut dire que peut-être les vrais disperseurs, ce sont ces petits trucs-là qui vont vraiment broyer tout et mettre les spores en contact avec les enzymes du tube digestif, ce qui va les maturer, alors que les gros animaux sont peut-être beaucoup moins efficaces. Et moi, quand j'ai lu cet article, j'en ai pas cru mes yeux. Depuis le début, on a tous un gros problème à expliquer pourquoi la truffe. Elle a une structure génétique où les individus, quand on les récolte les uns près des autres, ils sont génétiquement proches. Si c'est dispersé par des sangliers qui font 10-15 km avant de chier, il devrait y avoir une grande homogénéité. Et puis comme ils n'arrêtent pas de revenir au même endroit et d'amener de nouvelles spores, déjà les gros animaux, ils ne nous laissent pas attendre qu'il y ait cette espèce de De côté local proximité de la limace. génétique, voilà. Par contre, si c'est dispersé par des animaux comme ça,
Ah bah alors là, eux, ils ne font pas 15 km avant de lâcher leur fesses. Et ça se fait donc à l'échelle de la limace et à la lenteur de la limace. C'est beau, donc, hein? Oui, mais c'est très beau, c'est très beau. Et il y a quelque chose qui est touchant parce que finalement, ça redonne une couche d'explication sur les travaux de l'INRA de Nancy sur ce sujet, sur les travaux d'Armel Golot sur ce sujet. Et il y a plein de gens qui étaient en pleine réflexion. Et puis finalement, cette équipe italienne est en train de nous expliquer en quoi les limaces peuvent contribuer à la dispersion de ces champignons mycorhiziens. C'est un travail courageux parce que c'est long à faire, ça. Ouais. Et le résultat n'était pas donné. Et je trouve qu'en réalité, le résultat est merveilleux. Il pose vraiment des questions. Ah, il y a Alain qui nous fait bonjour. Et oui, les copains, parce que la truffe fait mouche, nous dit-on. Et dans le chat, on nous dit, et la truffe, elle fait mouche quand, la truffe? Donc, elle fait mouche ou elle ne fait pas mouche? Le chat. Et ouais. Alors, attends, diaporama F5. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je voulais peut-être te proposer cette représentation. Donc, c'est les comparaisons entre l'occurrence des champignons ectomycorhiziens et endomycorhiziens auprès des arbres. Et donc, on se rend compte qu'il y a des grandes différences entre chez nous, donc les parties nordiques, où nos forêts, nos arbres sont essentiellement composés de relations mycorhiziennes avec des champignons ectomycorhiziens, hein, la truffe notamment, mais tous les champignons forestiers, les cèpes, les girolles, enfin tous ces trucs-là. Et que quand on est dans le sud, et les zones tropicales notamment, on voit qu'il y a une... t'as coupé ton micro, Marc-André. Oui, vers les tropiques, parce que quand on va tout à fait au sud, on retombe dans des zones tempérées. Ah oui, voilà, tout à fait, dans les zones tropicales, pardon, équatoriales. Hein, donc on a... Et toi, ce que tu expliquais sur la continuité qu'on a en Asie, entre les... aux USA, aux Amériques, et puis le grand vide qu'il y a chez nous à cause du Sahara, toi, les glaciations qui restent bloquées. Et finalement... une des conséquences de tout ça, me semble-t-il, c'est que comment nous relier, nous, à ces points de biodiversité, ces hotspots de biodiversité que sont ce qui se passe en Amérique, on a l'impression que la végétation va être plus à même de pouvoir s'adapter au réchauffement climatique et à la sécheresse et à la canicule. En Asie également, regarde la Chine comme c'est merveilleux, il y a toutes les strates qui vont se retrouver entre le nord et le sud, alors que chez nous, on est comme un petit peu bloqué par cette Méditerranée, hein, mais globalement la Méditerranée, parce qu'en France, ça ne passe pas les Alpes et ça ne passe pas les Pyrénées, mais c'est partout pareil. Et donc, on aurait peut-être à réfléchir aussi aux façons de refaire surgir dans nos écosystèmes plus de champignons endomycorhiziens. Alors, cela dit, on en a toujours sur les plantes compagnes, les fameuses plantes du brûlé et tout, c'est des plantes qui sont pour quelques-unes non mycorhisées, et puis pour d'autres, mycorhisées par des champignons endomycorhiziens, c'est-à-dire des champignons tout à fait différents des ascos et des basidiomycètes dont on parlait avant. Mais c'est sûr que bon, là, il y a des questions qui se posent aiguës sur les migrations assistées, c'est-à-dire l'idée que finalement, il va falloir qu'on aide notre biodiversité végétale du Sud à se recharger de choses venues d'Afrique du Nord ou... Ce n'est pas évident, cette question. Mais... D'Afrique du Nord ou peut-être toi, toute cette zone d'Éthiopie, donc là, on ne voit pas bien dessus, mais on a... Enfin, donc là, toi, il y a du jaune, donc il y a autant d'ectomycorhiziens que d'endomycorhiziens en Éthiopie. On est dans des secteurs sur lesquels, qui sont relativement proches de chez nous, sur lesquels convergent des tas de migrations animales, d'oiseaux migrateurs notamment, et qui font la navette entre chez nous et ici. Tu vois. Ouais, et plus on a des risques d'introduction de pathogènes exotiques. Donc, c'est des choses assez difficiles à organiser. Hein. C'est difficile à organiser, mais toi, les oiseaux le font. Les oiseaux l'organisent déjà. Et que peut-être, justement, on en reparlera un petit peu d'autres occasions, et puis peut-être aussi un petit peu tout à l'heure, mais moi, j'ai un peu ce sentiment que l'adaptation de nos écosystèmes va pouvoir se faire, justement, par une... Au réchauffement climatique, va pouvoir se faire par une
rediffusion de ce qu'on a, des réserves de ce qu'on a plus au sud vers chez nous, sous peine de ne plus pouvoir s'adapter. Et non pas, comme dans certains essais qui ont lieu en ce moment, notamment sous l'impulsion de l'ONF et de certaines régions, et non pas en essayant d'importer des espèces végétales d'Asie ou d'Amérique, ce qui est un bon risque d'amener des maladies. La calrose du frêne est arrivée comme ça, avec des frênes de Montréal. Et aussi, qui est tout à fait artificiel, parce que l'idée, surtout quand on veut faire migrer la forêt vers le nord, ce n'est pas de faire migrer des arbres, c'est de faire migrer un écosystème forestier. Il ne suffit pas d'introduire une espèce. Il faut être en mesure que tu aies tout le cortège qui va avec, qui fabrique le sol, qui le fait vivre. Voilà. Alors, si je peux faire un moment de publicité. Oui, oui, oui. Cette opposition entre des zones tempérées qui sont très ectomycorhizées et des zones tropicales qui sont très endomycorhizées avec un type de mycorhize différent. J'en parle beaucoup dans mon prochain livre là, qui va sortir en septembre prochain, sur le sol, qui s'appellera L'origine du monde chez Actes Sud, et qui parlera des sols et en particulier finalement de cette dynamique de sol et de cette dynamique microbienne autour des plantes, extrêmement différente, mais pas que pour les endomycorhizes, entre les forêts tempérées et les forêts tropicales. Et toi, Francis Allais nous dit souvent de prendre la forêt tropicale comme une espèce de modèle dans le mode de fonctionnement. Et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on pourrait chercher beaucoup d'inspiration là-dessus. Et toi, les Américains, pour eux, on a l'impression que ce sera plus facile à mettre en place, que l'enjeu qui se joue là-bas est très différent de ce qui se joue chez nous, ou de ce qui joue d'ailleurs en Asie. Hein. C'est de la même façon, on a sur le même continent, toi, si tu prends les USA, sur le même continent, on a des grands secteurs qui sont déjà bien adaptés aux sécheresses et aux canicules, et alors que chez nous, il n'y a que dalle. Voilà, un petit peu la Serbie. Toi. En Serbie, il y aura peut-être des choses intéressantes à aller voir là-bas. Ce n'est pas trop loin de chez nous. Et un petit peu, alors là, on ne le voit pas trop sur les côtes de à cette échelle, on ne le voit pas trop, mais sur les côtes de la mer Noire. Il y a un petit amas aussi qui va se trouver à l'est de Mont Ararat, tu vois, à l'est de la Turquie, hein, un des grands hotspots de biodiversité d'ailleurs, hein, de sur lesquels on est connecté, et qui fait le lien justement avec des migrations animales, avec ce qui se passe en Asie, ce qui se passe ici, et avec ce qui se passe en Éthiopie. Hein. Donc, je voulais peut-être en profiter pour montrer ce petit film que j'aime beaucoup. Alors, avant que tu montres le film, juste une remarque. Cette carte, elle ne montre rien en Afrique du Nord et c'est faux. Alors, ça résulte à la fois de défauts d'information puis du fait que c'est des petits îlots, mais quand on va dans des montagnes comme l'Atlas, on a des écosystèmes thermophiles extrêmement intéressants. Donc, ouais. Il y a aussi des choses à prendre strictement de l'autre côté de la Méditerranée. Hein. Oui, 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 tout à fait. Bah, le cèdre, par exemple. Et le cèdre. Alors, je repartage l'écran sur ce petit film. Je sais ce qu'on va voir, c'est un film superbe. C'est un film. Hein. Voilà. Tu le vois ? Yes. Allez. Donc voilà, c'est la répartition des migrations animales sur Terre. Et donc, en haut à droite, on voit la date. Donc là, on est mois de février. On voit que les animaux sont en train de remonter, suivent le Nil, vont contourner justement tout le bassin, enfin la Méditerranée, et vont en diagonale jusque dans la région de Hambourg. En fait, il y a quatre chemins différents, hein, on pourra les détailler. Et après, de Hambourg, ils vont se répartir par tout le nord. Et il y a la même chose qui se passe au-dessus de l'Asie. Hein, en continuité avec l'Australie, d'ailleurs, en passant par toute l'Indonésie, et notamment dans le Kalimantan. Hein. Et puis, bien sûr, la même chose qui se passe aux USA. Alors là, ce qu'on voit, parce qu'il y a aussi dans cette vidéo des cétacés et des tortues. Quand ça devient bleu, comme ce qu'on voit dans le nord des USA, là, c'est que les oiseaux sont en place, on est au mois d'août. Et là, se réamorcent les migrations dans l'autre sens. Hein, et donc, ces migrations, je vais arrêter ici. Ces migrations donc, qui vont partir par ce chemin qui part de Hambourg et qui va redescendre au-dessus de la France, en Espagne, retraverser, puis arriver jusqu'au Maroc. Il y en a deux, trois qui se font choper par des chasseurs en affût en Europe. Et puis, un autre, et le gros du parcours, c'est celui qui va contourner la Méditerranée par l'Est.
hein, et qui traverse comme ça la Turquie, l'Égypte, le Soudan. Et tu vois, donc, il y a une partie qui va redescendre ici, en Éthiopie. Hein, c'est le bord du lac Tana. Et là, c'est un grand massif montagneux, les sources du Nil bleu. Un grand massif montagneux dans lequel, en haute altitude, on va avoir une végétation assez proche, un climat du moins assez proche de ce qu'on peut avoir chez nous, avec plein d'arbres. D'ailleurs, sur les 135 arbres qui sont européens, de la flore indigène d'Europe, les 135 essences d'arbres, ils sont quasiment tous présents en Éthiopie, plus beaucoup d'autres. Les espèces ou les genres ? Oui, enfin, jusqu'à l'espèce, hein, dans de nombreux cas. C'est intéressant, c'est une zone d'ailleurs où il y a un peu de mousson. Oui. Qui arrive. Alors justement, ce qui est troublant, c'est que tu as un côté, donc la mousson qui va plutôt pénétrer par le sud-est, et donc avec les grandes savanes africaines qui sont en dessous. Hein, plus à l'ouest, on va avoir l'influence tropicale humide, à l'est, du tropical très sec, et puis au nord, bien sûr, le désert du Sahara. Hein, et donc, en fait, on a une grande hétérogénéité de milieux, une grande différence d'altitude. Et ces montagnes constituent en fait un des grands hotspots de la biodiversité terrestre. De la même façon que, et donc d'une mémoire, toi, une mémoire de toute la vie qui est sur Terre. Il n'y a pas eu de glaciation en Éthiopie depuis 580 millions d'années. C'est très, très ancien. On peut encore y retrouver probablement des traces du microbiote, des dinosaures dont certains éléments peuvent encore être présents dans ces lieux-là. On a la même chose à Bornéo et on a la même chose dans la Sierra Nevada chez les Américains, hein, enfin les Amériques, dans cette grande montagne aussi qui est presque des neiges éternelles en haut et en bas ça plonge dans la forêt tropicale avec aussi un grand passage migratoire et une grande diversité d'écosystèmes et probablement aussi de microbiotes. Et je pense qu'on aurait... Ce qui est certain, c'est que pour ce qui est des champignons endomycorhiziens, il y a des preuves que les pattes d'oiseaux sont des vecteurs de leur spore. Et oui. Donc ça va dans le sens que tu dis, ces trajets d'oiseaux là sont pas neutres en termes de voie préférentielle de dispersion de certains autres composants de l'écosystème. Voilà. Et donc, toi, c'est dans nos histoires d'adaptation, de se rendre compte qu'à l'échelle de la planète, il y a des tas de toutes petites choses minuscules que sont ces milliards de pattes d'oiseaux. Ça fait beaucoup des milliards, mais chaque oiseau va contribuer avec sa petite patte à transporter un petit peu des inoculums de ces contrées-là et essayer de venir et de les inoculer quand, de les ramener à quel moment, de les ramener au printemps chez nous. Lorsque l'hiver est passé, qu'il a fait très froid, que la vie a commencé à s'épuiser et est en train de renaître de quelque chose dans le sol, hein, on dit que les hirondelles ne font pas le printemps, mais finalement, elles amènent avec elles probablement une partie de ces inoculums qui permettent à la vie de s'adapter. Et ça, tu vois, pour revenir à ce qui se passe dans nos truffières, je vais remettre le PowerPoint du début. Voilà. Alors, pourquoi je suis passé sur le côté ? Voilà. Hein, donc, l'exemple du ver de terre, par exemple. Un petit ver de terre en Espagne ou en Italie, hein, qui se serait fait manger par un petit oiseau migrateur. Qui fait juste une petite migration pour traverser les Pyrénées et pour venir jusque chez nous, une espèce de petit merle, un truc comme ça, qui viendrait au printemps nous ramener un petit peu du microbiote du sol. On a remarqué, tu sais, pour faire le lien avec les limaces, que certes, les limaces mangent pas mal de choses, mais les vers de terre sont très friands des cacas gluants des limaces. Et vont finalement les ingérer, les remalaxer avec du sol et permettre aussi peut-être contribuer à cette germination des spores. On voit là un petit bébé ver de terre qui est en train de naître hein, de cette petite capsule qui peut contenir 2 à 3 bébés hein, à la fois. Et puis après, ce qu'on peut aussi voir, c'est que sur les turricules de ver de terre, donc ça, ce sont des
photo que j'ai piquée dans le bouquin de Gabriel Callot, La truffe, la terre, la vie, hein, que dans les turricules de vers de terre, on peut retrouver des spores et des truffettes qui naissent. Comme s'il y avait cette fameuse houppette là, qu'il y a au sommet des écailles dans la jeunesse, ouais, et qui sont en fait au moins des prises d'air. Au moins des prises d'air. Des prises d'air, et on s'en va plus loin, ces houppettes sont consommées par un tétramorium semi-lévé, donc une fourmi champignoniste. En fait, comme en Amazonie, on a aussi des fourmis champignonistes, et c'est elles qui vont aussi contribuer, en allant se manger ces petites houppettes de champignons, à faire de la place autour des truffes pour pouvoir accéder à ce mycélium et permettre aux truffes de pousser entre les cailloux. Tu vois, ce sont les fourmis qui vont ressortir, et on voit les petits amoncellements qu'on voit souvent dans les brûlés, qui sont en fait ce qu'elles ressortent pour faire leur cavité. Mais quand ces cavités commencent à se remplir de la truffe qui grossit, et la truffe qui va aussi se nourrir probablement, tu sais, il y a tout ce débat sur la truffe qui est détritivore peut-être à un moment de sa vie, hein, va peut-être aussi pouvoir bénéficier. Alors, ce débat-là, il a été quand même purgé pas mal après les travaux de Nancy, qui ont donc montré que quand on marque la photosynthèse des arbres, on retrouve le carbone marqué dans les racines, puis les mycorhizes, puis les ascocarpes, d'une façon dont avec des évaluations qui disent que ça fait pratiquement 100% de la matière. Et d'autre part, ils ont mis des feuilles marquées, alors marquées à l'azote et au carbone, donc carbone 13 et azote 15. Et là, ils sont aperçus qu'on ne trouve pas du tout le carbone dans le champignon. Donc là, clairement, ils ont validé que la source majeure, c'est l'arbre. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait des sources marginales, et ça n'exclut pas non plus nos plantes tout à l'heure. Hein. Les plantes complètes. Par contre, ils ont retrouvé l'azote. Ouais. Par contre, ils trouvent l'azote. Alors, ça ne veut pas dire que la truffe a forcément attaqué ses feuilles. Ça peut être de l'azote qui a été attaqué par des microbes et qu'ensuite, on retrouve... Mais l'azote, vers de terre, comme nous dirait Marcel Boucher. Donc là, je pense qu'on peut ranger l'histoire de la truffe. Ça profite au rang des idées invalidées. Mais c'est important parce qu'on a imaginé la truffe comme un monstre, comme un truc qui est très particulier, ça profite à certains moments, pas à d'autres. Bon, plus le temps a passé ces 20 dernières années, moi, quand je suis arrivé dans le champ de recherche, effectivement, c'était une espèce de monstre qui était un peu inattendu. En fait, on s'est aperçu que c'était un mycorhizien nourri par des mycorhizes comme les autres. Deux, on s'est aperçu que sa génétique des populations et sa fécondation, c'était une fécondation de génétique des populations classiques d'Ascomycètes. Et trois, on s'est aperçu que c'était endophyte. Alors, vous allez me dire que ça colonisait des racines de plantes non mycorhizées. Vous allez me dire, oh là là, c'est... Ah ben non, la plupart des mycorhiziens font ça. La plupart des ectomycorhiziens, mycorhiziens des racines d'arbres, sont aussi capables de coloniser des petites plantes herbacées autour. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'elle est rentrée dans le rang, en quelque sorte. Et ça, c'est très beau ce que tu dis, parce que finalement, toi, cette flore compagne qui fait le lien entre endomycorhiziens, ectomycorhiziens. Alors toi, on reprend les travaux d'Armel Golot. Bon, c'était des corrélations, et on n'a pas encore trouvé les relations de causalité, mais elle a pu montrer qu'il y avait une corrélation entre la présence d'un certain nombre de plantes compagnes et le calibre des truffes. Voilà. Hein, c'est intéressant. Elle l'a publié, ça ? Oui, c'était présenté au congrès de Hongrie, là, de Budapest, il y a 3-4 ans. Là. Ouais. D'accord, et, je n'ai pas vu. Ouais, donc, voilà, donc c'est très intéressant parce que ça voudrait dire qu'une partie… Alors, est-ce que c'est de l'eau ? Est-ce que c'est des sucres ? De quoi est-ce qu'il se fait ? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que la présence de ces petites plantes vont permettre un meilleur écosystème, un meilleur habitat pour les petites fourmis, pour les petits vers de terre, pour tout ce qui va constituer la vie du sol ? Tout est lié, tout est intimement lié. Ce n'est pas forcément des relations de causalité directe qui vont intervenir, mais souvent des faisceaux de relations excessivement complexes qui peuvent apparaître. Hein ? Voilà. La question reste ouverte, mais pour moi, ça fait partie vraiment des approches que je trouve qui font un petit peu encore trop défaut, toi, ces approches systémiques, ces approches globales de nos écosystèmes, de notre science aussi. Hein. Il est ouvert à l'improbable, mais le testant raisonnablement. Voilà. Hein.
Et donc là, dans les relations des animaux, on pourrait en dire beaucoup, hein. J'avais aussi voulu ressortir ça aussi, le técamébien, tu vois. Ah, alors c'est pas vraiment des animaux, ça, c'est des petites amibes. Des protozoaires, voilà, hein. Des protozoaires, et tu vois, donc la teck, donc ils ont une peau, bon, enfin, c'est pas la peau, là, c'est leur paroi, qui est recouverte d'une cuticule ornée. Donc là, on en voit un, là, sur le bas, qui est bien clair, et on en voit un sur le haut qui est caché dans le filament de mycélium, tu vois, à la surface d'un ascospore, donc à la surface d'une truffe, caché là-dedans, on voit qu'il y a un petit écamebien. Et donc, avec cette découverte, enfin, c'est pas de Gabriel Callot, mais il en parle dans son livre, que là où il y a des brûlés, il y a beaucoup de écamebien, et que dès qu'on est en dehors des brûlés, il n'y en a pas. Brûlés producteurs ou pas producteurs d'ailleurs. Et donc, il puisse y avoir une relation entre écamebien et truffe. Relation directe, relation indirecte, on n'en sait rien, on n'en sait strictement rien. À l'époque où Callot avait sorti ça, j'avais participé à un colloque sur les técamébiens à Genève. Il y avait quatre chercheurs, un colloque international, quoi, tu vois, quatre chercheurs sur les técamébiens qui avaient pour seule activité, finalement, de leur donner des noms, tu vois, de faire de la taxonomie, mais qui n'étaient pas, qui étaient loin, loin, loin encore d'imaginer la moindre, enfin, très peu de connaissances biologiques et encore moins écologiques de ces petites bestioles. Et toi, tous ces éléments qui constituent la vie de nos systèmes, la vie de nos systèmes agricoles, sont des éléments qui restent, je trouve, trop oubliés, hein, trop oubliés, trop en dehors de nos champs, qui restent de nos champs intellectuels. On reste tous connectés sur ces choses-là. Et ce que je trouve de fabuleux, toi, avec les champignons, c'est que comme les champignons, ce sont des êtres qui relie des compartiments du sol avec des plantes avec des plantes, des champignons avec des champignons, fait que ça relie plein de choses, des champignons, finalement. Ça relie, donc ça nous oblige à avoir une narration qui nous parle du lien. Hein? Voilà. Et pour parler de ça, donc une étude que j'avais réalisée moi il y a quelques années, on avait cartographié les sols truffiers de deux cantons de la Corrèze, et on s'était rendu compte à chaque fois que les zones les plus aptes à produire des truffes étaient proches des villages, proches des lieux de vie, comme s'il y avait une interaction, une corrélation. Voilà, on montre une corrélation entre l'anthropisation des milieux, le fait qu'ils soient occupés par des Homo sapiens, et le fait qu'il y ait des truffes. Alors, ce n'est pas que les cultures de truffes, hein, c'est le potentiel truffier des sols, hein, qui a été observé. Enfin, cette relation étroite aussi avec nous, dans ces écosystèmes pleins de vie, la truffe, la terre de la vie, comme disait Gabriel Callot, dans ces écosystèmes pleins de vie, qui sont en fait, je crois, la base de la construction des écosystèmes humains. La truffe, ces champignons mettent en relation, commence à préparer des lieux quelquefois très perturbés pour en faire venir une forêt, en faire venir une forêt. Donc aujourd'hui, on parlerait d'agroforêt, de relation entre l'arbre et la culture. Voilà, et je voulais donc finir la présentation avec ce tableau qu'on avait élaboré ensemble, Marc-André, je ne sais pas si tu t'en rappelles, le projet Arthur. Et où dedans, donc, on a essayé de mettre dans un même dendrogramme, Dur de voir le détail, hein. ouais, voilà, mais de mettre dans le détail, de mettre donc sur les 842 paramètres que nous avions suivis ou mesurés, hein, sur 93 sites, 93 truffières. Voilà. Et d'essayer de décrire cet écosystème par une analyse ascendante hiérarchique, enfin, un truc tout simple, et pour se rendre compte que finalement, on a deux grands éléments. Tu vois, il y a un petit bloc là avec un certain nombre d'opérations et un grand bloc où il y a tout le reste. Et tout le reste là, ça c'est ce qui décrit l'écosystème avec un certain nombre quelquefois corrélés. Alors c'est que des corrélations, hein, qui sont prises là-dedans, hein, qui corrélés avec certaines opérations techniques que l'on peut réaliser dans nos cultures. Et qu'en fait là, il y a toute une série de paramètres qui semble déconnecté de l'écosystème. Et tous ces paramètres qui sont là
ce sont ceux qui sont liés à l'irrigation, à la fertilisation et au travail du sol. Voilà. Et que tout ça, en fait, n'interagit pas de la même façon que l'écosystème. Comme si on se comportait d'une façon non adaptée à ce qui est dans l'écosystème. Certains, toi, c'est que chaque fois que c'est écrit en petit, c'est des choses qu'on fait nous. En toi, quelquefois, il y a des choses qu'on fait nous qui sont bien intégrées dans les écosystèmes. Mais il y a plein de trucs, non, hein, des éléments qui sont pourtant des éléments importants, le travail du sol, toi, qui sont des éléments importants de la narration agricole, de ce que l'on peut faire pour bien cultiver nos plantes. Et en fait, on se rend compte que les écosystèmes, eh ben, dès que c'est le travail du sol, ça fait qu'on devient vite hors sol. Et c'est ce que montrent ces choses-là. Une irrigation mal gérée, j'entends bien, mal gérée, le travail du sol et les fertilisations chimiques, hein, comme des éléments non adéquats au fonctionnement de nos systèmes. Voilà. Hein? Donc, je voulais finir peut-être encore là, tu vois, de dire que de tous ces éléments... Avant que tu ailles plus de l'avant, c'est vrai qu'on peut être étonné de voir à quel point la truffe est connectée finalement à plein de choses. Donc, c'est des espèces végétales qui ne sont pas que des arbres, on l'a vu, des espèces animales qui ne sont pas que des gros animaux, et puis tout un tas de microbes. Bon, il y a aussi tout un tas de travaux sur les bactéries spécifiques qu'on trouve dans la rhizosphère des racines mycorhizées. J'ai essayé de retrouver en vous parlant les documents qu'avait généré une spécialiste des techamoébiens quand elle était venue chez nous. Elle n'avait pas fait un très bon travail en fait, parce qu'elle avait travaillé, puis après elle n'a plus jamais donné de nouvelles, donc en fait on a des tableaux ingérables. Mais ce qui était clair quand elle nous en parlait, puis on n'a jamais vu la fin, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est que la diversité des amibes était très différente sur les brûlés et hors des brûlés. Ça va tout à fait dans le sens de ce que tu disais. Et puis, il y a une troisième catégorie d'interactions, et ces interactions-là, c'est les interactions avec les animaux, mais elles nous intéressent au premier plan. C'est est-ce que vous réalisez à quel point on a des interactions avec l'homme qui sont incroyables. Enfin, on a des économies locales qui, à certaines époques de l'année, pulsent au rythme de la truffe. On a des confréries, je suis moi-même membre d'une de ces confréries, on a des marchés, on a des vendeurs de plantes trufficoles, et tout ça, c'est un champignon qui n'a aucune valeur alimentaire. Rappelons-le, la truffe, c'est un condiment d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas cher, c'est que si on regarde la quantité qu'il en faut pour faire un bon plat, ben... Donc on a un champignon sans valeur alimentaire qui est capable d'organiser des filières, de nous faire organiser des filières, des marchés, des productions d'inoculum certifiées par l'INRA. Enfin, vous imaginez ce beans. Ça, c'est un truc incroyable. Ça, c'est de la manipulation, parce que ce n'est pas les calories qui viennent payer ça. Ouais. La truffe nous manipule finalement. Hein. Dans sa volonté de manipuler le genre animal, je crois qu'on est tombé dans le panneau. Voilà, et donc pour conclure, tu vois, ce vieil arbre qui est donc un chêne pubescent qui est près de chez moi, mais dans le Lot, hein, côté Lot. Et ce vieil arbre qui a peut-être 300 ans, 400 ans, qui est classé dans le répertoire national des arbres remarquables de France, et qui brûle, tu vois, un vieil arbre qui accueille une biodiversité tout à fait exceptionnelle, qui donne encore des truffes malgré son grand âge, et dans lequel on va trouver, et ça fait partie aussi des manips que j'aimerais beaucoup faire, d'aller explorer ces vieux arbres, essayer d'évaluer tout ce qu'ils ont comme microbiote, comme microcosme, et de se rendre compte, enfin, l'intuition, c'est qu'il y a plus sur les vieux arbres que sur les jeunes glands, et qu'il y a un transfert qui se réalise entre les endroits où il y a beaucoup de vie et toute la vie qui est dans les vieux arbres, vers les endroits où il y a des jeunes glands et des jeunes homo sapiens qui, depuis quelques années, essaient de comprendre quelque chose dans le fonctionnement d'un écosystème. Mais tout est déjà créé, tout est déjà en place, tout existe, et c'est peut-être d'essayer de s'inspirer de ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est ce qui motive un petit peu la réflexion. Hervé, excuse-moi, mais rappelons quand même que tu nous as montré une belle trogne.
En plus de la tienne et de celle de Marc-André, tu nous as montré une très très belle trogne, toujours jeune, n'est-ce pas? Rappelons que nous étions en 2020 dans l'année des trognes, qu'on va poursuivre en 2021. Rejoignez-nous si ça vous intéresse, les trognes toujours jeunes, réitérées, pleines d'espoir et qui vont nous aider, j'allais dire, à sauver le monde, mais à sauver notre peau, puisque tous ces systèmes agroforestiers riches de trognes, et je pense en particulier les Marocains, hein, et ceux sur lesquels on a beaucoup d'informations qui nous arrivent aujourd'hui, nous avons créé, entre autres, un groupe national autour des trognes. Donc, si cela vous intéresse, contactez-nous, rejoignez-nous, puisqu'on est déjà une trentaine, un peu plus de 30, à observer, à coopérer, à analyser, à quantifier, à vérifier, et parfois même, c'est le cas de celle-ci d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la tempête ou le paysan qui l'a cassée, coupée et du coup remise en production. Il va être l'heure de conclure, mais je crois que vous le savez. Je te redonne la parole, Hervé. Voilà. Mais d'abord, Marc-André. Quelques questions sur le chat ou... Oui, alors on a un petit problème parce qu'on n'a pas de questions. Pas beaucoup de questions, vous étiez très clair, très net. Donc quelques questions, voilà. Mais dans le fil de vos interventions, ces sujets ont été traités au fur et à mesure. Donc tout va bien, nous avons suivi l'actualité du chat, tout va bien. Vous avez répondu à l'ensemble des questions, des paramètres qui ont été mis en discussion. Voilà, et donc un dernier élément, tu vois, comme une espèce de porte ouverte sur l'avenir. Jusqu'à présent, j'avais travaillé sur ce site qui est sur la gauche, donc la station expérimentale sur la truffe de Chartrier-Ferrières. Donc, une station sur le... Hein, et tu y as mené un certain nombre de manips là-bas. Hein. On a côté des choses pour la sexualité de la truffe, oui. Ah, encore des histoires sexuelles par là-bas. Ah là 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 là. Et donc voilà, donc l'idée c'est que aujourd'hui donc avec Alain nous, et puis avec toi aussi d'ailleurs, hein, nous fomentons ce projet d'essayer de faire quelque chose là-bas. Mais toi, pour moi, j'ai pas envie de refaire de la trufficulture comme on faisait avant, de continuer à adapter ce système qui est pas beau, quoi, de truffière désertique où il y a rien du tout. Et d'essayer d'envisager, d'imaginer ce que pourrait être une truffière vraiment vivante. Tu vois, et donc, vivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui est reliée aux animaux, aux plantes, hein, tout ce que fait la truffe remarquablement, mais également aux homo sapiens. Tu vois, cette idée que là où vit l'homme, on peut avoir plein de... Enfin, que les zones qui les plus potentiellement intéressantes pour la truffe sont des lieux qui sont quand même anthropiques, mais pas qu'avec des hommes, avec plein de bestioles, plein de plantes, plein d'animaux. Et tu vois, donc, plan initial de la truffière en ligne droite, comme ça, donc il y avait deux grandes parties qui avaient déjà été défrichées. Bien, l'idée, ce serait peut-être de reprendre ça, reconcevoir le site comme un site agroforestier, dans lequel on est à la fois de la truffe, à la fois de la vigne, à la fois des cultures, et de réfléchir à un écosystème, pas un écosystème truffier, un écosystème humain qui fonctionne avec toute la nature. Voilà. Pour moi, c'est ce qui me tient à cœur et ce que j'aimerais arriver à partager avec les personnes qui voudraient bien avancer dans cette voie. Hein, et je sais qu'auprès de toi, j'ai une écoute assez favorable, Marc-André, hein, de ton soutien et de cette façon. On lancera de ce projet, moi et mon équipe, ça c'est sûr. Voilà, et de cette façon de revoir le monde. Mais tu vois, au milieu de tout ça, là, de cette façon expérimentale, il y a une espèce de noyau, là, une espèce de cœur. Et ce cœur, en fait, pour moi, c'est le futur vieil arbre. C'est-à-dire qu'aux générations futures, qu'est-ce qu'on va laisser? On va laisser une truffière, certes. Pour beaucoup de personnes, ils vont nous laisser des forêts quand les truffières se seront de nouveau ensauvagées. Et pour moi, mon idée, c'est qu'on puisse laisser aux générations futures un futur vieil arbre qui, avec le temps, aura appris à tous les êtres de son écosystème, tous les champignons, toutes les plantes,
tous les micro-organismes, tous les oiseaux qui viendront se réfugier dans sa ramure, tu vois, et que ce lieu puisse être comme un hotspot de biodiversité pour que et qui s'adaptera d'essayer de chercher à la fin, de trouver des moyens pour qu'il s'adapte de mieux en mieux au réchauffement climatique, à la canicule, au manque d'eau, tu vois, et que là puisse s'élaborer une espèce de petite graine d'où pourrait regermer pour le futur des richesses, des liens, de la vie, des interactions. Quelque chose qui permette aux humains qui viendront après nous de vivre dans un endroit où il y aura plus de vie, dans un écosystème humain qui sera de nouveau en phase avec ses forces de la nature et dans lequel un nouvel espoir pourra naître. Voilà. Ton micro, Marc-André. Merci beaucoup. Oui, Marc. Un espoir pour autant qu'effectivement on y réintroduira de la biodiversité. Ouais. Voilà, c'est le point clé, cette biodiversité, plus de vie dans nos vies. C'est le point clé de nous relier aussi, de réfléchir aux façons de nous reconnecter à tous ces grands hotspots de biodiversité qu'on a à travers la planète, près de chez nous d'ailleurs, avant d'être au-delà, loin dans la planète, toutes ces migrations animales qui vont nous aider à réadapter nos écosystèmes au rythme où le fait la nature. Et je pense qu'on a devant nous de belles pages de vie à essayer de lire, de découvrir, et à finalement au savoir de progresser et à l'homme d'être plus en phase avec la nature. Oui, et surtout, voilà, c'est ça, utiliser la biodiversité comme un levier, parce que pour l'instant, c'est surtout une source de taxes et d'emmerdes. Et à un moment, ça peut être effectivement une source d'action. Et ça, c'est vraiment important. On s'aperçoit qu'on a simplifié tous ces écosystèmes. La truffière et le champ de blé, finalement, ont subi le même cheminement. Et c'est peut-être un chemin qui a été, à un moment, une amélioration de production, peut-être, mais qui, en fait, de façon durable, ne l'est pas du tout. Il faut complexifier nos écosystèmes, gérer. Donc, le prix qui va être remis vendredi, c'est pour la nature et l'homme. En fait, oui, c'est une fondation qui s'occupe des relations homme nature, qui d'ailleurs aussi qui a des liens à la chasse, mais une chasse de gestion, pas une chasse d'exploitation. Et c'est en fait la fondation qui possède et entretient le musée de la nature et de la chasse à Paris, dans le Marais. Et donc, l'idée, c'est de récompenser un chercheur pour des travaux qui parlent ou qui reconstituent le lien homme nature. Et je dois dire que c'est moins ma programme de recherche que mes travaux d'enseignement et de vulgarisation qui sont de cet ordre-là, mais l'idée, effectivement, c'est de parler de comment réconcilier un homme devenu très urbain avec la nature, sachant que même quand il n'est pas urbain, il a quand même du mal avec la biodiversité. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre agriculture n'en est pas le meilleur ami, et pourtant, il n'y a pas de hiatus. C'est ça qu'il faut essayer de reconstituer. Messieurs, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre pertinence, votre présence, votre bienveillance pour ce retour de la diversité et de la biodiversité. Nous avons bien compris que sur ce COS reviendra le blé, reviendra le raisin, les fruits au milieu des truffières, et ça pour le coup c'est un vrai sujet, un vrai projet de société, de création d'emplois, cette biodiversité qui crée de l'emploi, ce carbone comme tu le dis si bien Hervé, qui n'est que de la vie, mais ça crée aussi de l'enthousiasme, de la coopération, de l'optimisme et puis de la relocalisation si tant est que l'on puisse s'exprimer comme ça. Merci pour cette belle leçon d'humilité, d'humanité au service de l'aridité, n'est-ce pas ? Marc-André, nous vous saluons bien bas. C'est moi, merci de l'attention à ceux qui nous ont suivis. Ils sont là, et puis vous le savez, on se retrouve régulièrement, on va parler de beaucoup de sujets, dont le houblon très prochainement, de la viticulture, etc., etc. Et puis ces vidéos sont vues, revues, partagées sur la belle chaîne de Vers de Terre. Hervé, salut, à très vite et à très bientôt. Chers amis, chers collègues, nous vous saluons. Amis sur YouTube, fidèles parmi les fidèles, on voit des noms qui reviennent et qui viennent, etc., etc. Nous vous disons à très vite. Et puis, amis en particulier de Vers de Terre ce soir, pour la mise en onde et pour la mise en image, sans chaos, sans perturbation, sans coupure et sans rupture. Salut, salut, bonne soirée, adi chats, comme on dit chez nous.
Et à très vite sur cette même chaîne. Au revoir. Merci à Vers de Terre. Au revoir. La vie est belle. Salut, au revoir. Ah oui, la vie est belle, c'est vrai.